Me revoilà, avec un cadrage un petit peu de travers, hein. Vous l'avez remarqué sans doute, mais c'est pas grave, allez hop. Alors, je vais vous présenter sans plus de cérémonie mon dernier livre, hein, que je viens de sortir donc en 2020, qui s'intitule Visage du Stalag et de l'Oflag. Alors, il regroupe des lettres de prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a, sauf erreur, 14, hein. Il y a 26 lettres, puisque j'en avais peu de chaque prisonnier, et je les ai donc réunies en un seul volume. Alors, cet ouvrage est le 14e de ma série consacrée donc aux correspondances anciennes ou relativement modernes, hein. Ça va du 17e siècle jusqu'au 20e siècle, jusqu'à 1950, hein. Les plus récentes sont de 1950, et les plus anciennes, pour l'instant, sont plutôt du 19e, mais je remonterai jusqu'au 17e, puisque j'en ai du 17e siècle. Le seul problème, c'est pour les recopier, c'est très difficile à recopier, à déchiffrer. Alors, donc, cet ouvrage s'adresse à des gens qui possèdent déjà des connaissances sur le sujet des stalags et des oflags, hein. Il faut avoir des prérequis pour comprendre où je veux en venir. C'est-à-dire que je n'explique pas ce qu'est un oflag, ce qu'est un stalag, quelle vie on menait dans ces camps de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai fait déjà dans les volumes qui ont précédé, et celui-ci s'adresse à un public un peu différent. Un public qui est déjà averti. Et d'ailleurs, moi, je pense que ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas tellement le fait que ce soit des prisonniers de guerre, mais ce qui m'intéresse, c'est le fait que ce soit des témoignages, des lettres de gens qui ont été oubliés, dont personne ne parle, et vous savez à quel point, enfin ceux qui m'ont lu et compris, à quel point le thème de l'oubli est important pour moi. Et donc je fais en quelque sorte rejaillir de la nuit, de la mort, ces prisonniers de guerre qui sont de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de l'Essonne, de Lyonne, du Pas-de-Calais, et je crois que c'est tout, et des Yvelines, je crois. Voilà. Alors, il y a Louis Bray, Marius Crapard, Jean Duselier, Pierre Fernande, Gaston Guyot, Maurice Guyot, Émile Janot, Marc Le Rondeau, Jean Leroux, Antoine Perrault, Roger Tamizier, Raoul Tanière, Georges Turpin, Bernard Rosinte. Donc, je reproduis leurs lettres in extenso. Parfois, leur correspondance se limite à une carte ou à une lettre, mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant. Je n'ai pas la biographie de ces personnes, je ne sais pas quand elles sont nées, quand elles sont décédées, puisque là, ça ne m'intéressait pas réellement, et d'ailleurs, j'aurais eu beaucoup de mal à les trouver. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les prisonniers de guerre sont censés être répertoriés, ils ont tous un numéro, et on devrait pouvoir les trouver facilement, mais en fait, ce n'est pas si simple, hein. Parfois, je retrouve la trace de gens qui ont été, on va dire, officiers supérieurs, même souvent, et qui font partie de la blase Léonore de la Légion d'honneur. Après, on peut retrouver les dossiers militaires quand on a des indications précises, quand même, sur les dates de naissance approximatives, on arrive à trouver. Et notamment, il y a une correspondance qui me tient beaucoup à cœur, que je vais bientôt publier, c'est celle d'un timonier. Un jeune homme qui est mort à 21 ans, ou 20 ans, je ne sais plus, qui était timonier à bord du Kléber, voilà, et qui est décédé pendant un séjour au Maroc, si mes souvenirs sont bons, mais c'est une autre histoire. Alors donc, voilà, là, ce joli volume, j'aime bien parce que je trouve très jolie la version Lulu, ce vert-là, et puis j'ai mis un portrait d'un prisonnier de guerre qui ne fait pas partie des gens qui sont dans le livre et dont j'ai reproduit les lettres. C'est Monsieur Marcel Delay, ou Delay, du Stalag 8C, qui était le prisonnier numéro 29106. Voilà, donc sa jolie photo, je l'ai reproduite. Elle fait partie de ma collection, hein. Donc c'est le 14e volume de ma série de correspondances, comme je vous l'ai dit. Elle s'adresse à des gens qui ont déjà les prérequis nécessaires pour comprendre ce livre, hein. Mais on peut l'aborder même sans savoir ce que c'est précisément qu'un camp de prisonniers, hein. D'ailleurs, j'évoque les camps de prisonniers où ces prisonniers de guerre ont été incarcérés, le Stalag 1B, le Stalag 3A, l'Oflag 4D, l'Oflag c'est pour les officiers, le Stalag 6D, le Stalag 6F, le Stalag 10C, le Stalag 11B, le Stalag 12C, le Stalag 12D,
le stalag 17A, le stalag 17B et le stalag 18A et enfin le stalag 21A. Voilà. Donc, alors, si vous ne connaissez pas mon travail, n'achetez pas ce volume parce qu'il vous décevrait. Et si vous n'avez pas l'état d'esprit qui convient, vous ne le comprendrez pas. Vous ne comprendrez évidemment les lignes, le texte, mais vous ne verrez pas l'idée qui est derrière. C'est-à-dire, c'est un peu comme en art moderne, hein. C'est le concept là, pour celui-là, pas pour les autres. C'est le fait que je fais ressurgir, enfin, je sauve de l'oubli finalement quelques personnes sur Terre par le biais de quelques lettres qu'ils ont écrites à un moment donné, lettres qui ont été conservées et que je détiens. Et maintenant, même si ces lettres sont détruites à ma mort, eh bien, il restera ce livre à la Bibliothèque nationale de France et dans quelques bibliothèques en France et peut-être dans le monde, puisque plusieurs de mes livres déjà, peut-être une, je ne sais pas combien, sont déjà répartis un petit peu partout dans le monde, très peu à la fois, dans des bibliothèques aux États-Unis, il y en a aussi en Allemagne et dans d'autres pays en forme d'e-book. Mais il y en a 3-4 simplement, c'est pas grave, mais voilà, c'est déjà bien. Alors, je vais vous présenter un petit peu la série maintenant, enfin la série donc des correspondances que je reproduis in extenso, et ensuite je les commente ces lettres à ma façon et différemment d'un volume à l'autre, en fonction du plus ou moins grand intérêt que j'ai pour ces correspondances, hein, parce que certaines m'intéressent plus que d'autres. Lettre à Yvonne, le premier volume, tome 1, paru donc en 2012, hein. Ensuite, Un maréchal contre une pintade. Là, on est toujours dans la Seconde Guerre mondiale. Le premier, Lettre à Yvonne, ce sont des lettres adressées à une marraine de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Un maréchal contre une pintade, ce sont des lettres sur la pénurie alimentaire dans les années 40. Lettre à ma mère, bon, c'est mon moins bon livre. C'est de tous ceux que j'ai écrits, c'est celui que j'aime le moins, je dois dire franchement, hein. Et c'est celui qui se vend le mieux, parce qu'il y a le côté lénifiant de la mère, la figure maternelle, des choses comme ça. Moi, je ne partage pas vraiment ça, je veux dire. Hein. Voilà. Et c'est un prisonnier de guerre du stalag 2A, Alphonse Fouillou, qui est originaire de Vic-le-Comte, hein. Pardon, de près de Vic-le-Comte, d'Hirons-des-Bureaux. Voilà. Ensuite, il y a eu celui-là, plus intéressant. Là, je l'aime bien, celui-là. Prisonnier de guerre d'Auvergne d'ailleurs, des prisonniers de Clermont-Ferrand, d'Hirons-des-Bureaux, toujours Maringue, Le Mont d'Or, Aubière, Pompadour, Jonquière, Paris 19e et Paris 6e. Mon cher petit Jean, les lettres d'une d'une cuisinière de maison bourgeoise, c'est rare, hein, des années 1890, je suis content de l'avoir trouvé, d'avoir trouvé ces quelques lettres, parce qu'on en trouve très peu. On trouve beaucoup de nobles, hein, par contre, c'est énorme. Voilà. Alors, deux mots pour te dire, un beau prisonnier de guerre, donc c'est la vraie photo, hein. Des lettres assez poignantes parfois, je dois dire, hein. Il est de Bray, élu dans le Val d'Oise. Anaïs Bonnardel, la gouvernante qui devient religieuse, je vous en ai déjà longuement parlé, hein. Bien chers parents. Par la barbe de Louis Benjamin, alors c'est mon livre le plus intéressant dans la série correspondance, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, et je n'en ai vendu qu'un seul exemplaire parce qu'il n'est pas de la région, voilà. Il est en fait... enfin, de la région, de l'ancienne région Auvergne, de Grenoble et de Valence, hein. Ça concerne Grenoble et Valence, et c'est vraiment intéressant, ça renseigne vraiment sur la vie des lycéens et des étudiants de la Troisième République dans les années 1875, 1876 et 1877. Mais malheureusement, moi je ne sais pas convaincre sans doute, pourtant j'ai beau dire que c'est vraiment le plus intéressant, et il ne se vend pas. Une comtesse des ténèbres, alors... ça, c'est mon côté royaliste, enfin plutôt conte de fées, hein, puisque moi, les rois et les ducs et compagnie, ça renvoie au conte de fées, ça renvoie pas du tout à quelque chose d'extrême droite, forcément. Hein. D'ailleurs, il y a extrême droite et extrême droite. À l'époque, l'extrême droite n'était pas celle que l'on connaît actuellement. Et là, vous avez la fameuse comtesse de Chambord ou duchesse de Bordeaux, c'est une archiduchesse d'Autriche, qui était extrêmement généreuse, hein, qui vraiment. Qui n'avait rien à voir avec, on va dire, les riches qu'on peut voir aujourd'hui. Voilà, donc, en résumé. Et donc, là, je me suis appesanti sur de nombreux thèmes, sur les Choiseul, la famille Choiseul notamment, et sur l'éducation des femmes, entre autres thèmes. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai ensuite... ah oui, pour étudier les coccinelles, ce sont des lettres d'un prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, j'ai trouvé des éléments, puisqu'il était, ce monsieur,
dans la base Léonore de la Légion d'honneur, et il y a beaucoup d'éléments quand même, hein, et j'ai publié ces lettres assez intéressantes que j'ai commentées. Prisonnier de guerre également. Qu'avons-nous d'autre? La dernière duchesse de Parme. Alors là encore, une figure importante. Une duchesse régnante, pas une duchesse à la française, hein, qui ne règne pas. C'est une duchesse, qui a régné réellement avec son mari sur Parme avant l'unification italienne, et qui ensuite, à mort de son mari, a régné aussi en tant que douairière, enfin que tenante du titre, et après, par la suite aussi, et ça a été la dernière qui a régné sur Parme avant l'unification italienne. C'est la sœur d'ailleurs du comte de Chambord, alias le duc de Bordeaux. C'était également la belle-sœur de cette chère Marie-Thérèse de Modène, qui m'a vivement intéressée, d'ailleurs je le précise, parce qu'on racontait qu'elle était vraiment très laide, sourde, désagréable, qu'elle avait le visage irrégulier, parce qu'elle avait subi les fers de l'accoucheur, donc le visage était... la partie droite ne ressemblait pas du tout à la partie gauche, etc. Et donc, dès qu'une personne est dénigrée, moi, elle m'intéresse. Hein, tout de suite, ça, je me jette dessus littéralement. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai vu des photos et des tableaux, et moi, je la trouve très, très séduisante. Bon, il faut dire que les tableaux sont peut-être un petit peu... voilà, c'est un portrait à la fenêtre, il paraît, ça. Hein, voilà, très beau tableau, enfin, à mon sens. Ensuite, j'ai encore donné dans la Duchesse, puisque, avec l'esprit des Mortemar, que j'ai écrit avec un historien... Gérard Tabary, donc, c'est lui qui m'a suggéré le titre, puisque les Mortemar, vous savez, la marquise de Montespan, favorite de Louis XIV notamment, hein, il n'y a pas qu'elle, et la première duchesse Pozzo di Borgo, dont vous avez le portrait pixelisé, malheureusement, j'ai pas eu mieux, ici, en vieille dame, hein, mais très jolie, c'était une femme du monde connue, et qui n'était pas sans doute aussi bornée que la caste à laquelle elle appartenait. Hein. Moi, c'est du moins ce que j'en conclus avec ce livre. Et j'ai trouvé quelques lettres de ce personnage. Elle écrit à son neveu, le comte Humbert de Marcieux. Et voilà, le dernier, c'est bien, je ne me suis pas trompé de numéro, moi. Parce que là, j'ai mis numéro 12. Oui, j'ai oublié celui-là, le 13e. Alors là, c'est la cascade du Cœur-Œil au Mont d'Or, où j'ai vécu un endroit vraiment extraordinaire, la cascade du Cœur-Œil. On était à deux pas à pied, on est arrivé en quelques minutes. Et là, c'est le séjour au Mont d'Or de Christiane Boisbourdin. C'est une jeune femme originaire de Théillé. Là, j'ai trouvé des choses sur les parents de Christiane Boisbourdin, et notamment sur son père, puisqu'il figurait en tant que capitaine. Il avait été médaillé et il avait eu la Légion d'honneur, hein. Et j'ai trouvé des choses sur lui dans la base Léonore de la Légion d'honneur. Voilà. J'aime bien celui-là aussi. Il est intéressant, ce livre. C'est une correspondance des années 50. Malheureusement, j'ai juste les lettres de la mère de Christiane Boisbourdin, Germaine Boisbourdin. Et quelques lettres aussi de Lucien Boisbourdin, qui est dans la base Léonore de la Légion d'honneur. Hein. Voilà. Théillé dans le Puy-de-Dôme, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère ne pas avoir été trop bavard pour cette série correspondance. Voilà, 14 volumes si je ne me trompe pas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà. Et je continue parce que vraiment les correspondances, moi c'est ce qui me semble le plus intéressant. Et ce n'est pas du voyeurisme comme certains ont prétendu, c'est ridicule, hein, c'est pas ça. C'est vraiment pour faire ressurgir les gens, pour que c'est une victoire contre la mort finalement. Il reste quelque chose de ces personnes. Ce n'est pas la mort le problème, c'est l'oubli. C'est cet oubli qui est le corollaire de la mort. Et j'en parle encore dans mon prochain livre que je vous présenterai bientôt et qui concerne le cimetière Saint-Jean. Il est pratiquement prêt. Il ne me reste plus qu'à fignoler la couverture et voilà, il sera bientôt prêt. Et dans une semaine ou 10 jours, je pourrai vous en parler. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.